Ah, Mélie Villeneuve, au ruban, c'est aussi un grand moment. Alors elle a choisi le bleu et blanc, et bleu et noir. Avec une entrée originale. D'avoir mixé la GRS avec la gymnastique artistique. Hein. C'est une première, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Ça permet vraiment de, à la fois de comparer, mais surtout d'apprécier les différentes gymnastiques que la fédération. Non, mais puis ça apporte une tonalité musicale à cette gymnastique qui en manquait un petit peu, à part le sol féminin. Là, désormais, eh bien, on a une variété de mouvements. Et puis, c'est vrai, c'est très très beau. Et c'est très télégénérique. Ah ben, je ne vais pas dire à Laura Galère qu'elle n'aime pas la GRS. Elle, elle adore, elle adore. Je préfère la poutre. C'est très très beau, Amélie Villeneuve, là, ce qu'elle fait. C'est du niveau, on peut le dire, du niveau mondial. Et lorsque le niveau mondial est européen, ben, vous avez compris qu'en dehors de la Bulgarie, de la Russie et de la Biélorussie et de l'Ukraine, la France est tout de suite derrière. Donc, Yari, est-ce que la musique vous plaît cette fois ? Ah, celle-ci, oui. Ah bon ? Je la trouve tout à fait adaptée au sourire d'Amélie Villeneuve et surtout à son évolution particulièrement envoûtante. Bon, eh bien, alors on lui dira. Vous êtes content ? Oui, oui, alors on lui dira, ainsi qu'à ses entraîneurs. Je trouve cette musique très, très bonne. Je suis mélomane, mon cher Michel. Qu'est-ce que vous croyez ? J'en suis sûr. Très belles images. Et ce regard qui ne veut pas perdre le ruban. Ça aussi, c'est une belle...